لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا ورسولنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وأطيعوه اتقوا الله حق التقوى واعلموا أن الإسلام دين العلم والعمل والكسب الطيب فالله سبحانه وتعالى جعل الطيبات للمؤمنين في الحياة الدنيا وخالصة لهم يوم القيامة وأمرهم بكسبها بكل الوسائل المشروعة ليجمعوا بين خيري الدنيا والآخرة ولينفعوا الناس بها لأنهم خير أمة أخرجت للناس قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وقال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور كما قال ربكم عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لوانجا الله سبحانه وتعالى le créateur de l'univers, c'est lui Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés et nous a attribué des bienfaits qui sont de fois apparents et d'autres sont cachés. Alam taraw anna Allah sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina ou wa fi riwayatin ukhra وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً Vous n'avez pas vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a soumis la terre et tout ce qui est sur la terre. Il vous a soumis aussi les cieux et tout ce qui est entre la terre et les cieux et qu'il vous a attribué des bienfaits qui sont de fois apparents et cachés. Donc nous lui rendons grâce pour ces bienfaits. Et le meilleur bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à l'homme, c'est de faire de lui un être soumis, soumis à sa volonté, soumis à ses ordres à travers le Saint-Coran et la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée et vénérée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est son prophète et son messager. Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi comme étant une miséricorde pour l'univers. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour tout ce qui est univers. Et tout ce qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala, rentre dans le cadre de ce qu'on appelle Al-Alam ou Al-Alamin. Qu'Allah soit satisfait de lui, ainsi que sa famille, ses compagnons et surtout ceux qui vont le suivre sur le chemin de la droiture jusqu'au jour de la rétribution finale. Fidèles musulmans, craignons Allah subhanahu wa ta'ala et respectons ses injonctions. Notre rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un Seigneur
Et nous devons être des serviteurs, une pleine servitude à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il nous demande de faire quelque chose, nous ne devons même pas chercher à savoir pourquoi. Puisque généralement, c'est le pourquoi qui nous amène vers la mécréance, la désobéissance, qu'Allah nous en garde. Le Saint-Coran nous dit « Innama kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma baynahum an yaqulu sami'na wa ata'na ». La seule parole de ceux qui ont accepté Allah, de ceux qui se sont soumis à l'mu'minoun, lorsqu'on les appelle vers Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, pour que le prophète juge entre eux selon ce qu'il a reçu d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque le prophète ne parle pas sous l'effet de la passion ou de ses choix personnels. Inna anzalna alayka al-kitaba bil haqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah. Litahkuma, pour que tu juges entre les gens, bayna an-nas bima araka Allah, selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a montré. Donc, quand on nous demande de faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut, à travers son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est de dire que nous avons entendu sami'na wa ata'na. Et voilà ceux qui réussiront le jour de la rétribution finale, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi ces gens-là. Il faut savoir que notre religion, c'est la religion du savoir et de l'action, du travail donc. Pour le bien-être de l'homme sur terre, et c'est l'une de nos missions essentielles, puisque le travail en islam lui-même constitue une adoration. Lorsque vous êtes animé par une intention sincère et que ce que vous êtes en train de faire, c'est non seulement vous permettre de vous mettre à l'abri du besoin et de servir aux autres selon les injonctions et les orientations d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes en train de faire une adoration. C'est pourquoi toutes les étapes de notre existence peuvent constituer des adorations si nous sommes animés par une bonne intention. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers un hadith qui a été rapporté par Muslim et qui est rapporté aussi par Bukhari, il nous parle des branches de la foi, shu'abul iman. Il nous a dit que la foi constitue de plusieurs branches, plus de 70 ou bien 73 branches. La meilleure de ces branches-là, c'est le fait de dire « La ilaha illallah ».« La ilaha illallah ». Et le fait d'enlever ce qui nuit de la voix des gens constitue une branche de la foi. Et « wal haya », la pudeur, « shu'batum min al-iman » fait partie de la foi. Ça veut quoi dire ? Dans notre vie, c'est soit nous sommes en train de vivre dans un monde émotionnel, pensé, donc al-haya, c'est du ressort du cœur, ou bien nous sommes en train d'agir, imatatul adha, le fait d'écarter ce qui nuit de la voix des gens, ou bien nous sommes en train de parler. Ce sont les trois situations dans lesquelles l'homme peut se retrouver. Et vous voyez, dans ces branches de la foi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des exemples pour nous dire que notre vie entière peut constituer une adoration. Partout où nous sommes, nous pouvons être dans une adoration non seulement rétribuée par Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi qui a des implications positives sur notre existence. C'est pourquoi, en travaillant, en fournissant des efforts, nous sommes dans l'adoration et il n'est pas dit que pour vivre avec Allah subhanahu wa ta'ala, il faut se détacher de la vie parce que nous ne sommes pas créés comme ça. Nous avons des penchants, nous avons des besoins par rapport à notre existence qui ne doivent pas être occultés. Donc, en travaillant, il faut non seulement se dire que je le fais,
puisque j'en ai besoin, et la voie que je suis est une voie légale, et que je le fais en respectant Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il nous a demandé. Là, on se retrouverait dans une forme d'adoration rétribuée par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Dieu même pose une question à travers le Saint-Coran pour ceux qui vont être tentés de penser que si je veux vivre avec Allah, je dois me détacher de la vie, complètement de la vie, et que je ne dois pas bénéficier des choses licites qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données sur cette terre. Man harrama zinat Allah allati akhraja al-ibadihi wa tayyibat min ar-rizq qul hiya lil-ladhina amanu fil hayati ad-dunya. Ces parures-là, ces bienfaits appartiennent à ceux qui ont accepté de se soumettre, de croire à Allah subhanahu wa ta'ala fil hayati dunya. Ça leur appartient. Et le jour de la rétribution finale, ça sera une propriété exclusive. Ici, d'autres peuvent bénéficier de ces parures-là, de ces jouissances. Mais le jour de la rétribution finale, seuls ceux qui ont accepté de se soumettre à lui vont bénéficier de ces bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous les octroie. Et il dit, pour nous amener à aller travailler, à fournir des efforts, à transformer l'environnement pour la satisfaction des besoins des hommes. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا. Il vous a soumis la terre et toutes les composantes de la terre. فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا. Allez-y vers les confins de la terre. وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ. Et mangez ce dont Allah subhanahu wa ta'ala vous a attribué. Mais n'oubliez pas l'essentiel. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. En le faisant, n'occultez pas Allah subhanahu wa ta'ala. Vous ne pouvez pas vivre sans Allah. Ne vivez pas, n'acceptez pas de vivre dans l'insouciance. Il faut toujours se rappeler d'Allah dans ce que nous faisons. Se poser la question de savoir, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est bon? Est-ce que Dieu l'aime? La stratégie adoptée, est-ce qu'elle convient? Est-ce qu'elle est conforme aux orientations de l'islam à travers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Si les deux conditions sont remplies, agissez et travaillez. Donc, lorsque nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala, quand on finit d'adorer Allah, il faut penser à la vie. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ. Lorsque vous avez fini la prière, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Dispersez-vous. Nous savons que le mot al-intishar, dans le sens arabe, c'est le fait de vite le faire. Avec force et puis avec une certaine vitesse, al-intishar. Fantashiru fil ard wa bataghu min fadlillah. Cherchez la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pourquoi? Pour chercher le bien-être. Wala tansa nasibaka min ad-dunya. N'oublie pas ta quote-part sur cette terre, ta partition, ta contribution sur cette terre. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Khayrukum anfa'ukum linnas » Le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux gens. Linnas, sans distinction, aux hommes, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur couleur. Vous avez le devoir de chercher à les ménager selon les instructions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous le savez plus que moi. Une femme est rentrée dans l'enfer à cause d'une chatte. Et un autre homme qui était vraiment pervers, assassin, est rentré au paradis à cause d'un chien. Que direz-vous de celui qui a été utile à la créature la plus noble sur terre, l'homme, l'être humain? Donc, c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il nous dit que la meilleure nourriture est celle qu'on acquiert au moins de sa
main, du travail de sa main, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde sa miséricorde au prophète Daoud alayhi salam, qui mangeait avec les fruits de sa main. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين جميعا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم لك الحمد الحمد لله رب العالمين هو ولينا ومولانا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان أيها المسلمون ينبغي للمسلم أن يتقن كل عمل يزاوله لأن الله سبحانه وتعالى كتب الإحسان في كل شيء والرسول عليه السلام قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, que sa paix et ses bénédictions soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur tous ceux qui vont les suivre sur le chemin de la droiture. Comment faire le travail? Il faut le faire avec excellence. À propos de l'excellence, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que Dieu a prescrit l'excellence, la perfection sur toutes choses. Et il aime que lorsque l'un de vous effectue un travail, qu'il le perfectionne. Ainsi, les musulmans que nous sommes doivent être forts, influents, faire preuve d'ingéniosité et de performance par l'effort continu et le travail. Par contre, la paresse, l'oisiveté, la mendicité n'ont rien à voir avec l'islam et le musulman doit être comme la pluie partout où elle tombe et redonne la vie. Wal muslim kal ghayth anna waqa'a nafa'. Partout où nous sommes, nous devons rendre service. Le musulman doit se particulariser par le fait que tout ce qu'il le fait, il respecte la déontologie. Et il cherche non seulement à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi à rendre service. Et en rendant service, il se rend lui-même service. Regardez les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment ils ont vécu. Ceux qui sont venus après eux. Il y a eu un moment dans l'histoire de l'islam où on n'avait pas quelqu'un qui prenait de l'aumône. On ne pouvait pas trouver. Où lorsque l'un des commandeurs des croyants a constaté qu'il y a eu un lion qui s'est attaqué à, comment dirais-je, à un mouton, il s'est dit que, attention, le monde devient injustice, devient injuste. Il faut que je cherche la cause de l'injustice. Ou il fallait prendre des graines de mil pour aller les mettre dans les montagnes pour ne pas que les oiseaux aient faim. Ça, ce sont les musulmans. Voilà ce qu'ils ont fait à travers leur respect du Saint-Coran et la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si nous aussi on le fait, on devient ce qu'ils ont devenu. Ben, on peut nous dire qu'aujourd'hui nous avons plus de moyens scientifiques, technologiques, et voilà tout ça qui nous permettent de mieux faire selon notre temps. Mais chacun est responsable de du temps dans lequel il est en train de vivre. Il dit, le Coran nous dit « Wa ahsin kama ahsan Allahu ilayk ». Fais du bien comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait pour toi. Plus nous avons les moyens, plus nous devons faire le bien. Plus nous avons la science, plus nous devons chercher à mieux parfaire nos activités. Plus il y a les moyens qui sont là, plus nous devons rependre cette miséricorde. Comme vous le savez, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. C'est comme si que l'essentiel du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est cette miséricorde. Donc, c'est cette miséricorde qui doit être notre créneau
qui doit être devant tout ce que nous devons faire. En appelant les gens vers l'islam, nous devons les appeler, nous devons mettre devant cette miséricorde et cette compassion. En corrigeant les fautes, c'est ce qui doit être devant. Ce n'est pas cette colère, ce n'est pas cette rigidité, ce n'est pas cette c'est-à-dire mauvaise parole, comme si on détenait les clés de la, comment dirais-je, du paradis ou bien de l'enfer. Si tu ne fais pas ça, tu es dans l'enfer, non? Et vous savez que nous, tout ce que nous faisons dans le Saint-Coran, tout ce que nous faisons, Dieu nous dit d'être au summum de la perfection. Billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ahsan, ahsan, ça se retrouve partout dans le Saint-Coran par rapport à toutes les situations dans lesquelles nous pouvons vivre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des musulmans sincères qui avons compris vraiment l'essentiel de notre message et qu'il fasse que nous soyons un tremplin de voix pour le bien-être de notre communauté, de l'humanité. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.